J'ai appris qu'on pouvait marcher il y a pas longtemps. Hein. Donc, Ah ouais, mais on en est là aussi. Tu joues jamais au jeu, il va rien se passer. Non, c'est pas ça. Non, mais c'est pas ça. Mais c'est que vu que je venais de console, on me disait, mais marche. Et puis je disais, ouais, mais je marche là, tu vois. Puis du coup, moi, je pensais que c'était en appuyant la touche plus lentement que tu pouvais marcher. Sauf que ça marchait pas. Et après, on m'a dit, non, mais c'est la touche Alt. Et là, j'étais. Puis là, quand j'ai vu, j'ai dit, ah, d'accord. Parce que tu sais, sur console, c'est avec le joystick. C'est vis-à-vis de comment tu règles la sensibilité de ton joystick, tu vois comment ou pas? Your best teammate. Remember it. Allez vous abonner sur la chaîne YouTube, ça paye les petits monteurs. Ce serait sympa pour eux, on va pas se mentir. Donc tu pensais que les claviers étaient analogiques? Oh, c'était à peu près. Non, bah, si, ça, si, pas non mais comment un mec qui est aussi toi peut être millionnaire, franchement. Mais c'est pas possible, t'es comme une quoi. Moi j'en peux plus de la vie, franchement. Tu pensais que les claviers étaient analogiques? Pour toi c'est hyper intelligent, hein, mais voilà quoi. Bah ouais. Donc du coup je dois t'attaquer ou Ouais, vas-y. Je suis dans la chambre, hein, au top. Non mais c'est quoi ton move de bien joué. Ouais. Après tu savais que j'allais venir te jouer à gauche là. Bah oui parce que je t'ai entendu oui, courir tout du okay, long là. Mais tout ne se joue pas dans ton aim. Rainbow ouais. Six c'est 80% de clavier, 20% de souris. Ok. Dans les mécaniques. Là où tout le monde à chaque fois te dit ouais mais ton aim. Mais en fait l'aim, comme le KD, ça a été inventé pour que les gens puissent parler de Rainbow Six quand ils y connaissent rien. Les mécaniques de Rainbow Six compliquées, ça se joue dans ton clavier. C'est ton placement et tes déplacements. Là, ton placement il pue la. Ouais, là tu te dis ok mais j'ai gagné mon duel etc machin. Mais tu gagnes ton duel parce que je te laisse gagner ton duel. Ouais non mais bien sûr parce qu'en vrai j'étais hyper exposé hein. Toute ma tête, mon corps Ok donne-moi les calls là sur le game set là. Qu'est-ce qui vient de se passer là? Où ça? Bah je sais pas là, si t'entends des trucs, tu vois des choses et tout. Moi je vais te dire là... du coup. Moi je suis en train de droner le top là, tu vois. Ouais. Ok, je suis en train de droner dans le closet, je sais exactement où t'es. Du coup j'ai pas besoin de droner pendant 3 heures, je sais que je peux m'insérer quoi. Je vais tenter un petit pré-shot sur une ligne connue tu vois. Parce que t'aurais pu laisser ta tête ici. Je suis en train de tourner, je me suis inséré dans la kit. Je drone, je sens que tu veux me jouer sur mon drone. T'es... Donc je sais exactement où t'es maintenant. En fait t'es au niveau des toilettes parce que tu viens de te donner. Je vais swinger à droite, je vais tenter un pré-shot. Et là j'y vais parce que j'avais envie de te mettre un wall tu vois. Bien joué pour la Mélusie. Je vais la deny. Je respecte un peu maintenant. Non. Alors, là je te respecte pas. Non, bien joué. Ok, mais toi tu vois quoi là? Bah en fait je vois que je me suis nouveau... Bah putain. Ah mais j'étais pas si mal placé en vrai là. Bah oui t'étais pas si mal placé, qu'est-ce que tu vois pour pas tirer en fait? C'est ça ma question, tu dois me tuer là. Bah c'est toi ouais qui mais gagne la ligne, j'ai 2 HP. T'es allé trop vite, j'ai comment pas ça, eu le temps d'appuyer. Comment ça t'es allé trop vite Bah ouais il est là le truc. Là ça joue sur du réflexe pur, t'as la ligne, j'ai pas de pick advantage sur une décale comme ça. Donc tu dois me la mettre en fait. Là la ligne elle était bonne, ton placement il était bon, tu dois la mettre. Si tu la mets pas, c'est que t'as des réflexes de grand-père quoi, faut arrêter Rainbow Six. Après j'avoue que j'ai pris le pistolet aussi. Pourquoi? Je sais pas, j'avais envie. Jamais, stop, non tu me trolles pas, tu me respectes. Tu non, non, mais bien truc, sûr, tu non, joues mais sérieux. Oui, non, mais bien sûr. Oui, okay. Jamais, je suis au top. Ouais, oh non. Ok, t'es soliste du coup. Ouais, pourquoi t'as dit oh non, t'as perdu ton drone? Parce que j'y ai pas touché à ton drone. Non, non, je sais que t'y as pas touché, mais parce que je sais que t'es soliste, c'est ça que tu dis non. Ok, je sais où t'es là. T'es à gauche au niveau du sud-ouest. Mais le truc, c'est que tu sais que je sais. Donc t'es en train de réorienter. Très probablement au niveau du sud. Ouais, ça juste, ouais. Non mais il faut que tu saches ce que moi je sais, tu vois. Ouais. J'ai Solis, n'oublie pas. Ah oui, c'est juste. Fais gaffe à ton drone et... Fais gaffe à comment tu le joues. J'ai entendu un truc, mais j'étais pas assez attentif. Tu me drones pas, donc qu'est-ce que je fais là? Bah tu te balades, j'imagine.
ou tu retournes sur site, ou tu prends une ligne, j'en sais rien. Qu'est-ce que je fais ? Prends deux secondes pour me répondre. Normalement, tu dois prendre les cams, étant donné que tu peux pas me prouver, vu que j'ai pas... L'autre truc, il faut que je cherche le lien avec toi. Le bruit, quoi. Ouais, mais le truc, c'est que je reste sur site et je bouge pas jusqu'à ce que tu me drones, et dans ce cas-là, je bouge. Ah, tu viens me chercher, là, quand même. Oui, absolument. Mais c'est toi qui te fais surprendre, pas moi. T'as été naïf, tu sais où je suis, puisque tu me pinges. Oui. Du coup, tu devrais être en mesure de savoir où est-ce que je peux bouger. Soit je vais rester dans la chambre, soit je vais venir à ta rencontre. C'est clair. Ouais, c'est clair. Et derrière, il faut que tu la mettes, là. Là, je sais pas où il est, ton viseur. Mais j'apparais à peu près aussi vite que t'apparais vite dans mon viseur. Il faut que tu la mettes. Il faut que tu lèches les arêtes, il faut que tu respectes le jeu, parce que t'as un avantage. Moi, je sais pas que t'es là. Ce qui me fait gagner, là, c'est mon crosshair placement. Dans le moment où tu me pinges, je suis en train de me dire où est-ce que j'ai laissé les traces de pas. Le jackal, quand on y pense bêtement, on se dit, c'est facile. On sait où il est. Mais le problème, c'est que moi, maintenant, je sais où est le jackal. Si j'ai une bonne mémoire. Bon, c'est pas très grave, ça. En l'occurrence. Et ne bouge pas trop, ou vas-y doucement, lèche les arêtes, respecte le jeu, fous-toi la tête dans l'écran aussi, ça c'est un autre truc. Parce que tu me dis, ouais, j'ai pas eu le réflexe tout à l'heure. Mais bon, qu'est-ce que tu fais là, à l'heure actuelle ? Je suis en train de mater les cams. Parfait, impeccable. T'es dans un endroit safe ou pas ? Oui. Okay. J'ai l'impression. Ah ouais, mais bon, c'est soit oui, soit non. Oui. Tu vois où je suis ? Oui. D'accord. Du coup, qu'est-ce que tu fais là ? J'attends pour le moment. Parfait, impeccable, bonne réponse. T'as pas besoin de décaler en fait, hein. Tu m'as vu où j'étais, etc. Je vais reperdre 10 secondes, il faut que je me déplace. Moi, j'attends que tu fasses une erreur en fait, hein. T'as pas besoin de faire une erreur. Tu restes à l'endroit, tu restes à proximité du bomb site ou sur le bomb site, et dès qu'il y a un drone qui arrive, tu le casses, tu te relocalises, et puis voilà, c'est comme ça que tu gagnes. Tu fais quoi là ? T'entends quoi là ? J'entends que t'as droné le site. Ça veut dire danger pour toi ? Oui. Ça veut dire danger. Je viens de prendre une info sur toi. Oui. Là, je t'ai laissé en vie parce que je suis sympa. Tu devrais être mort. Tu t'es pas relocalisé, alors que pourtant... J'aurais dû le faire, ouais. J'ai fait quoi, là ? T'as posé une clé mort. Ok, fais attention, parce que ça, c'est un cadeau. Je te la donne celle-là. Ouais, clairement, pas trop mal. Hop. Ton crosshair placement, il est dégueulasse là. Oui, là oui. J'allais le dire justement. J'allais dire, ouais, j'ai vraiment de la chatte. Parce que Ouais, tu te fous la tête dedans. Au moment où je fais un trou à gauche, tu me respectes. Ça part au niveau du trou. Et après, ça revient sur le scan de la porte. C'est tu respectes l'arête à gauche et en avant. Ouais. La clé mort, si je te l'avais pas dit, tu serais remonté comme un pimpin, tu te la serais prise, non ? Je l'ai entendu, donc j'aurais fait attention en montant. Hein. Ok. Honnêtement, je me serais pas fait avoir par celle-là. Par contre, j'aurais peut-être couru comme un dératé jusqu'à la porte, et là, peut-être que je me serais fait avoir. Je meurs pas souvent sur des clés morts, pour être honnête, même en game normal. Et là, tu viens de perdre ton meilleur ami en duel. Hein. Oui. Bah ouais. Et puis, t'es même pas où t'es, donc... Ouais. T'as tout perdu. T'as joué comme un silver. Tu prends ton drone, tu repars avec, tu le ramènes au spawn et tu repars avec. C'est tout. Oh non ! Je regardais en haut. Bien joué. Ah mais pourquoi tu regardes quelque part en final ? Parce qu'en fait, joue l'objectif, ouais. Ok. Tu vas sur l'objectif. Après tu t'allonges ou tu casses la ligne. Tu mets ta tête au niveau du billard et tu bouges pas. Et là c'est le mouvement en fait qui fait que je te vois. Si tu t'avais pas bougé, c'est Rainbow Six, hein. Je te vois pas sur la DK. Là, chez Outen, n'oublie pas de relocaliser du coup.
J'ai cassé combien de drones? 2. Bien joué. Un peu de chance, non? Bah oui, bah après tu pouvais que être là derrière, hein. Vu que t'as l'air fumé. Ouais, d'accord, mais tu me laisses aller sur le site, quoi. J'avais tout ouvert, au départ je prenais la ligne. Oh ouais, mais là, non mais d'accord, mais ton move il est nul. Moi je suis à l'aise, donc au moment où je rentre, je m'imagine pas mon crosshair, j'imagine le tien, tu vois. Et quand je te dis tu m'as tué, t'as balancé un pré-shot. Je me suis dit à la limite il aurait fait un pré-shot horizontal comme ça, mais ça reste Mélusie, donc la cadence elle est pas ouf. Ce qui veut dire que j'aurais pu passer entre deux balles quand même. Il aurait fallu, au moment où je push sur le site, de venir tourner autour de mon truc vert, ou à la limite, bon, de regarder le temps que je vais mettre. Bah pour voir si ça passe tout simplement. Oula, Théorix de nouveau. Oui. Non. Tu sais que mon drone il tombe au même moment dans la trappe où tu butes. Tu savais il que j'étais là où, du ton coup. Drone. De base, il était en haut. Ouais, mais il est là le problème. Prends ton drone, ramène-le au spawn et avance case par case. Et après, tu vas faire un niveau plus 1. Tu laisses le drone entre là où tu t'insères et là où tu spawns. Comme ça, ça te permet de voir les spawn kills. Et après, niveau plus 2, tu mets ton drone dans la première case dans laquelle tu vas t'insérer. Niveau plus 3, parle avec des teammates. Bon, on oublie la case teammate. On imagine que c'est toujours dans du duel. Tu laisses ton drone caché à un endroit où je pourrais passer ou alors sur un bomb site où je vais être au final. Qui va prendre une information capitale. Soit sur ton insertion, soit sur la position où je vais être. Voilà, c'est comme ça. L'évolution, la maîtrise du drone, quoi. Ah. T'as entendu quoi, là? J'ai entendu que t'as repéré un bomb site. Ok. Est-ce que tu penses que j'ai une ligne directe sur le bomb site? Si j'ai repéré le bomb site, ça veut dire que j'ai une ligne directe sur le bomb site ou mon drone avait une ligne directe sur le bomb site. C'est un élément capital. De facto, tu sais où est ma tête. Où? Oui. Tu dois chercher un drone. Sachant que la porte était fermée, alors ça pouvait pas être ma tête. C'était un drone. Non. Faut que tu cherches le drone. Et s'il y a un drone et pas de son derrière, pour toi, ça veut dire danger. Moi, j'imagine que t'es là. Je vois rien. Ah, oh, tu m'as tellement troll. La Mélusie qui t'a sauvé. Du coup, là, c'est parce que tu m'avais entendu venir là ou tu t'es dit par défaut, étant donné que tu m'as drone du côté de Marotta, tu t'es dit, ben, il va aller là-dessus. Tu t'es mis dans la même chose que tout à l'heure, en fait. Dans un coin. Non, j'avais une rota. Une rota vers où? Ben, vers de l'autre côté. Quand j'étais, quand tu m'as drone. Mais il faut que tu puisses respirer. Respirer sur Rainbow Six, ça veut dire au moins avoir une possibilité de pic à gauche et à droite. Il n'y a aucun moment où tu viens te mettre dans un coin comme ça, quoi. À moins d'être flashé, d'avoir un shotgun, mais dans ce cas-là, du coup, je te dirais, bah ouais, mais tu t'es mal placé avant. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, t'as fait du bruit. Ouais, c'est ça, j'ai fait du bruit. Ouais, je t'entends à droite, bien. T'as fait un clic droit, ou je sais pas quoi. Au début, je sais pas où t'es. Ça veut dire, pour moi, tu vas gagner le round. Il y a 30% de chances que je le gagne, 70% de chances que tu le gagnes. Tu as fait du bruit, bah ça s'est totalement inversé. On n'est pas passé en 50-50, hein. On est passé en. Je vais t'en. En fait. Ouais. Je comprends. Oh non. Ah. Ah mais t'étais soliste de nouveau, hein, voilà. C'est elle est tellement relou, elle. En fait. Je n'ai jamais utilisé mon gadget. C'est vrai? Mm-hmm. Mais comment t'as su que j'étais là, du coup? Est-ce que t'as la capacité de répondre toi-même à la problématique en disant ah, j'ai trouvé? T'as entendu mon drone quand je l'ai lancé? Ouais. Et quelle est ton erreur, du coup? Bah, d'avoir droné à l'intérieur de l'escalier alors que t'étais pas. Enfin, que le bomb site il est pas très loin et que tu pouvais très bien être proxy. Bah, c'est pas ça. Enfin, t'es jamais allé dans la room qui était en face. Au moment où tu drones, faut que tu fasses attention. Ah oui, c'est tu juste. Vois en fait, je me suis dit, je fais ça comme ça. Si tu voyais mon drone, ben, au moment où j'arrive sur le bomb site, je dirais que peut-être je passais par l'autre côté, tu vois, et non
pas par les escaliers là. Non mais essaie pas de... Fais des choses simples. Tu rajoutes les layers de difficulté après. Si t'essaies de faire des choses compliquées alors que t'as pas la maîtrise du truc, tu t'y perds et tu fais de la m***. Regarde comment Likefak il a gagné au Salty Duel. Y avait rien d'intelligent. Et je le dis sans méchanceté. Non mais c'était ultra efficace. Y avait exactement. Chacun des moves était réfléchi. J'ai aucune idée. T'es... Je drone. Pas grave, t'en fous, t'es à côté du bon site. Il s'est passé quoi là? T'as trouvé le bon site. Où est-ce que je pourrais être? Bah va te là-bas. Mettre, va te mettre aux endroits où je pourrais être. Genre là. Ouais, ouais, ouais. Ici. Ou bon, enfin oui, oui, mais plutôt Escamine pour le coup. Mais oui, oui, d'accord, ouais. Ok. Et la dernière possibilité, la probabilité, mais on est d'accord Escamine, que celle... Escamine, t'as pas la vue sur ouais, la on bombe. Est d'accord, non, on est d'accord. Je l'aurais ouvert, mais tu m'aurais entendu du coup. Voilà. Et la dernière. Et puis, bah ici. Oui, enfin, regarde derrière toi. Oui, à la fenêtre. Ok, d'accord, ça marche. Mais la fenêtre est-elle cassée? Non, non. D'accord, ok. Tu sais, ouais. Tu sais ce qui s'est passé du coup. Tu savais que c'était un drone. Il faut toujours que tu fasses ta gymnastique. Tu vois ce que je veux dire? Bah, je savais que c'était. Honnêtement, je savais que c'était soit le drone, soit j'allais voir ta tête vers le pilier là où je vise là. C'était ça quoi. C'est un détail. Et il est hyper important ce détail. En duel, hein, le fait de spotter la bombe, bon, c'est important si le mec a jamais spoté la bombe, du coup, pendant leur phase de droning, et qu'à la fin, il fait machin à planter la bombe 1. La plupart du temps, quand t'entends ce genre de truc-là, ce qui est une indication importante, c'est de savoir qu'il y a un drone sur le site. Oui. Ok, t'es contact à droite de ma fenêtre, là, déjà. Et je te tire même pas dans la tête, hein, je suis gentil. Ouais, ouais, mais j'ai totalement de choc. Je m'attendais tellement pas à que tu sois à contact là. Je pensais que tu serais derrière le lit. Mais là où t'as balancé ton C4? Ouais. Bah alors? Mais t'étais pas là du coup. Bah si je suis pas mort. Bah oui, bah tiens, des fois le C4, c'est plus ou moins éloigné, il te tue pas, tu vois. Oui, t'as voulu trop te précipiter, quoi. La fin du round est proche, ok? Je suis sur le bon site. Tu m'entends? Je suis en train de caper. Bah après, il va falloir jouer à ce jeu de je suis en fait échec, je suis pressé par le temps, il est sur le bon site et il faut que je le trouve. Donc c'est à ce moment-là que tu fais tes petits gauche-droite, c'est ça? Ça, c'est fini, ça. Ça, c'est pas. Tu peux le faire en hipfire, à la limite. Donc sans faire de clic droit, tu vas plutôt lécher les arêtes et être efficace. À la limite, presque en prenant le temps de marcher, en découpant pixel après pixel, si je puis dire, tu viens faxer en fait. Alors que toi, là, t'as fait un grand gauche-droite. Au moment où tu me vois, ah bah zut, je meurs. Et tu te fais surprendre par une position. Bah, tu peux pas faire ça. Parce que des positions, dans ce cas-là, si tu te fais surprendre par celle-là, il y avait celle où j'étais debout au même endroit, accroupi au même endroit. Accroupi légèrement à gauche, accroupi dans le corner, contact à droite de la porte. Il faut que tu dises, ok, il est où? Bam, ok, je vais balancer un C4, ça va deny cet endroit-là. Ok, bien ouais, il a deny mon C4. Il y a de grandes chances, du coup, la probabilité qu'il soit à droite, elle y est pas. Soit il est contact à droite en rentrant, ou soit il va être juste à gauche en face de moi, quoi. Ouais. Et donc, dans ce cas-là, bah, soit tu le fais en scanning doucement, ou alors, oui, tu viens au contact de la porte, et ça, une fois de plus, hein, c'est du clavier, hein, c'est pas de la souris. Et tu danses avec moi. Là, ça va être relou. Tu vas montrer ton épaule. Et là, ça va être un shake copy qui va être intéressant. Parce qu'en montrant ton épaule, j'ai pas le choix que de tirer. Et si je tire, je donne ma position. Et si je donne ma position, je donne la position de ma tête et tu peux décaler et me tirer dessus. Parce que non seulement tu envoies ton bras pour dire vas-y tire, dis-moi où t'es, mais en plus, plus ça va, tu sais, plus tu dandines et tu viens prendre l'info quand même visuelle de ce qui se passe dans la pièce. Fais du TDM. Ouais, c'est ça, c'est ce que j'allais dire. C'est ce que j'allais dire, c'est que mes mécaniques, elles sont pas... Bah... Mais oui, voilà, vous avez l'habitude avec oui, mais vous avez l'habitude avec le clavier et tout. Moi honnêtement, je débute vraiment avec ça et du coup ça sert à rien. Ça sert à rien d'essayer de se dire parce qu'il y a toujours les personnes qui vont du coup vont tomber dans les extrêmes et qui vont se dire ouais, mais Rainbow Six, c'est pas un jeu avec de l'aim, c'est surtout un jeu avec du brain. Ouais, mais l'un sans l'autre, ça va pas en fait. Ah bah non, ça c'est sûr. Et à l'heure actuelle dans Rainbow Six, vaut mieux avoir 100% de aim et 0% de brain que 100% de brain et 0% de aim. Malheureusement, le jeu évolue vers un shooter, ça reste un jeu où faut cliquer sur des têtes. Bon, donc, après c'est hyper, après à part ça, ça c'est hyper dommage quand même. Oui, bon, ça c'est un autre débat. S'ils avaient pas fait ça, il y aurait moins de joueurs, il y aurait moins de viewers, moi je serais plus là, il y aurait encore moins de joueurs, bah c'est normal. Hein. Ouais, bah tu vois ce que je veux dire. C'est clair. Comme s'il y a 25 ans au McDo, c'était du foie gras et du caviar et que maintenant c'était un vieux hamburger pourri et ce que le McDo est devenu, tu dirais putain, c'est dommage. Ouais, mais il te dirait bah mais si on n'avait pas changé nos habitudes, on serait fermé, c'est comme ça. Bon, j'y vais poulet, merci encore pour le truc. Bah merci à toi.
et puis un grand plaisir, et puis bah, à tout bientôt avec les héros de la pâte, quoi. Ça marche. Bisous, poulet. Allez. Ciao, ciao, bisous. Bonne soirée, tout le monde. Bye. Il est nul à chier. On n'y arrivera jamais. Là, c'est parce que je suis vraiment méchant. Ha 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 ha